Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne. Ce soir, je vous propose la découverte de Dusk Diver. C'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment de ça. Un action RPG normalement à 35 €. D'ailleurs, un action RPG beat'em all, hein, c'est un mélange. Et qui est dans un style animé. Vous pouvez le trouver en ce moment sur le PS Store et jusqu'au 21 décembre au prix de 3,50 €. Profitez-en vraiment, même s'il ne vaut pas grand-chose. On va le découvrir ensemble, hein, mais vous ne perdrez pas grand-chose. C'est développé par Wanin et on va y incarner Yang Yumo, une lycéenne qui va assister à un incident à Ximending. Il me semble que c'est une province de Taïwan. Bref, trêve de bavardage et place à la découverte. Le jeu n'est pas en français malheureusement, mais bon, c'est ainsi encore une fois. Par contre, il y a un deuxième opus qui lui est en français. C'est assez curieux, hein, pour le coup. Ok, ça commence direct. Hein. Donc il est question en quelque sorte, hein, d'un paradis et des enfers. Le personnage est extrêmement stylé, hein. J'ai invoqué un mec. Oula, ils sont plus gros ceux-là. On a un espèce de dash. Je peux le faire indéfiniment, ça? Non. この事件を優先長、そう名付けた。うぞうむぞうも誘い込むこの優先長の地に、一人の少女が立つ。やがて少女は次元の壁をも砕き、いくつかの物語を紡ぎ出すだろう。今ここに最初の冒険譚開幕。 Il y a un petit côté Tokyo Mirage Session, j'ai l'impression. Ok,
Bref, on incarne cette lycéenne hein, qui va rejoindre sa copine dans le fameux quartier, semblerait-il, de Ximending. Enfin, je sais pas si c'est un quartier, une province. C'est sa meilleure amie, d'accord. Bon, faut trouver le KFC, semblerait-il. Ah, t'étais là pour Nexomon, Hoodie? Je l'ai lancé, j'ai pas été convaincu sur les quelques minutes de que ce sera la prochaine fois. Alors le menu. Alors on a deux trucs, trois trucs de fermer pour le moment. La map, évidemment. Option, tutoriel, ok. Tout est bloqué pour le moment, évidemment c'est le début. Ah, le nom de la station aurait changé. Yusha, chotto koko de matete. Yada, hitori ni shinai de. Shinpai shinai de. Sugu modotte kuru kara. J'aimerais vérifier un truc quand même. Yusencho? Bonne soirée, Kenjosa. Nani, Kokoni Hitoga. Yosh, Kono Jojan wa daijoubu sou da na. Kochi no ponytail wa kiken da. Ça va, le mec qui reconnaît qu'il a une tête de gangster quand même. Et pas qu'une tête. Chou!
待て、一体どういうことなんだ。おじさん、どうしちゃったの。そんな可愛くなっちゃって。これは、まずいな。何あれ、なんであんなにたくさん。ジョーちゃん、少しはやれるのか。やれるって私が。テレビで格闘技の試合を見たことがあるくらいで、これでいける。いいからやってみろ。Alors c'est parti pour la baston. Le combo est de max 5 coups et on a les attaques lourdes avec triangle. Je joue encore la manette PS5 évidemment. Oh les moves sont trop bien. D'accord, on a récupéré les pouvoirs de l'autre en fait, l'espèce de Yakuza là, qui s'est donc transformé en une espèce de petit lionceau, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, on regardait des films sur Bruce Lee, donc on sait se battre maintenant. Donc on a bien absorbé ses pouvoirs, ce qui veut dire qu'on pourra, a priori, lui retransférer. C'est ce que dit, en tout cas, sa boss. Ouais, Aino Kung Fu, exactement. Alors, le SP metteur, donc la jauge de SP. Donc, quand on va toucher un ennemi, on va récupérer son énergie en tant que jauge de SP. Très bien. Et ça nous permet de faire des attaques invoquées. D'accord, ça appelle le mec en fait. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pendant l'espèce de flashback. Qui était plutôt un bond vers le futur. D'accord, il y a ça aussi. Par contre, les animations sont vraiment très très bien. Je rêve ou en fait il a une espèce de sucette à l'envers qui lui sert de cigarette. Non, c'est pas une tétine. C'est pas comme dans... Comment il s'appelle ce truc-là ? Belzébub. Ah non, attends, c'était pas Belzébub, c'était... Si, c'était ça ? Ou c'est Yu Yu Hakusho où t'as un mec avec une tétine ? Je sais jamais. Bon, on peut évidemment esquiver. Et si on le fait bah, juste avant, ça va ralentir les ennemis. En gros, une esquive parfaite, quoi. Ah, en plus de ça, on gagne 3 SP. Ok. Très bien.
Et si on laisse le stick appuyé, normalement elle court plus vite. Voilà. Au bout d'un certain temps. Ça, je peux pas encore m'en servir, il y a l'air d'avoir des trucs à débloquer. C'est dans Yu Yu Hakusho, ok, Emma, effectivement. J'ai eu un petit doute pendant un instant.怪我はなさそうだが、気を失ったままなのが心配だな。確か近くに病院があったはず。早く連れて行こう。ここは優先庁だ。たとえ行っても誰もいないさ。あそこ優先庁、正門庁がどうしてこんなに。他の人はどこに行ったの。もう落ち着け。簡単に言うと、ここは正門庁のようで正門庁じゃない場所だ。 その説明、分かったような、分からないような。でも、おじさんなら、僕を助けてくれたように、ユズも何とか助けられるよね。さっきと同じ方法は多分無理だ。だが、俺についてくるんだ。何とかできそうな奴を知ってる。 Donc on est dans une sorte de dimension parallèle, hein. L'endroit où on se trouvait, donc Ximending, je le prononce certainement mal, hein. Je crois que c'est un truc donc en chinois ou je ne sais trop quoi, a été remplacé par Yushending. しばらく。ああ、よかった。無事でよかったな。ヤンユモちゃんだったね。今日起きたことは内緒にしておいてくれるかい。わかりました。僕も早く忘れてしまいたい。でもどうして僕の名前を？え、さっきの女の人の声？なんで僕は熊の置物と話してるの？ああ。 D'accord, donc l'espèce de petit ourson là, la statue oursonne, c'est donc le gardien local, le dieu, qui est censé garder Ximending, sauf. ジョーちゃんに言ったはずなんだが。まあいい。人相が悪いのはしょうがない。話を戻すが店長。普通の人間が優先帳に迷い込んでしまった。やはり封印の石碑が破壊された影響が大きいのか。この子は普通の人間なんかじゃないさ。じゃなきゃなぜ、そんななりをしてるんだい。え、店長さん、お人形さん。僕はどうしたらいいんですか。 Je peux pas rentrer avec les cheveux enflammés comme ça. あ、慌てるんじゃない。仕方ない。応急処置にしかならないけどね。さあ、このペンダントをつけてごらん。元に戻れるはずだ。つけただけで元に戻れるの？マルチ商法じゃないよね。おい、とりあえずつけてみろよ。元に戻った。 Elle nous a donc filé un pendentif hein, qui nous permet de récupérer notre aspect normal. C'est vrai qu'il nous va bien. On peut le garder. Alors, notre copine, elle est dans l'arrière-salle. Il a une certaine classe, lui, quand même. Yusha, gusuri nemutteru mitai. Gomen. Boku ga chanto shite ireba, konna koto ni naranakatta no ni. Jo-chan wa daijoubu ka? Suman,
店内はちゃんと横になれる場所がなくて、あの木は俺が実家から持ってきたもので、治癒の力があるんだ。Quoi, il a ramené un arbre hein, qui soigne. Ok. Ah, nantoka moto no sugata ni modoreta. Konronjin no energie ga kyushu saretan da. Tada, owaketa ni naru to wa jitsu ni mezurashii koto da. Konronjin? Ah, soko no chinpira wa Ryo. Kantan ni ieba, soitsu to watashi wa isekai kara kita. Donc ils viennent d'une autre dimension, on peut les considérer comme des dieux. ユシャが目覚めたら僕たちは家に帰るから何も言わないから僕たちを殺さないで。Elle a peur de se faire éliminer. Elle a dit qu'il dira rien. Et qu'elle veut juste rentrer chez elle avec Yusha. お前さ、一体土地神を何だと思ってるんだ。En même temps, c'est normal. L'autre y ressemble à un mafieux. 冗談だよ。おじさんは危険も顧みずに僕たちを助けてくれた。Tu trouves qu'on dirait un persona, gars? Ben moi, il me fait penser à Tokyo Mirage un petit peu. Ah oui, le pendentif attire les ennuis, mais si elle lui rend ce qu'elle vient de faire d'ailleurs, bah elle se retransforme évidemment. Elle nous le vend $5,000, ça va? Si, c'est exactement ça, Nanotaru. Dans Tokyo Mirage, t'as des PNJ, tous ceux qui sont pas importants, grosso modo, ce sont des petites silhouettes de couleur. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça tout à l'heure. Bonne soirée, gars. Jo-chan, 俺からも頼む。妖魔からこの世界を守るためにはお前さんの力が必要なんだ。わかりました。ただより高いものはないって言うし。よし、これで契約成立だ。Très bien, on a passé un contrat en quelque sorte. Donc elle nous a donné bah, ce pendentif, hein. Cette 10 stones.仕方なく店長のペンダントを預かったんだっけ。条件はこの夏休み中にリーオおじさんが元に戻る方法を探し出すこと。このペンダントがこんなに高いなんて思いもしなかった。でも店長はバイト代で借金を返せばいいと約束してくれた。バイトの内容は勇者に怪我をさせた妖怪を倒すこと、それにコンビニの手伝いをすること。人生初のバイトがこんな厄介なことになるなんて。
Voilà, donc dans la mesure où le pendentif il coûte normalement 5 000 $, hein, ça sort l'arnaque. On a été en quelque sorte embauché à mi-temps pour compléter des missions, donc s'occuper des ennemis qui ont attaqué Yusha et Yumo, et également travailler dans le petit magasin dans lequel on a trouvé les deux autres protagonistes. Bon, Yusha, elle se rend compte de rien, évidemment. On lui a dit qu'elle a fait une hypoglycémie. Donc elle s'est évanouie, tout ça, quoi. Enfin, je suis arrivé à la Tour Shinra. Mais tu joues à FF7 Remake, toi ? Hanzhong Street. Donc on retourne au magasin, évidemment, hein, où il y a les gardiens. Hein. D'accord, il faut qu'on aille mettre notre uniforme. Où ça d'ailleurs ? Elle est où la dressing room ? J'arrive même pas à voir où il y a une salle pour le faire. Ah, c'est là. J'ai pas fait gaffe. Ouais, en fait, les personnages, enfin les PNJ sont unicolores à distance et quand on s'approche, hop, ils apparaissent sans visage par contre. Ouais, c'est sympa, la silhouette se reskin quand tu t'approches. Pas complètement, hein, mais c'est bien, ça permet de faire des grandes foules sans... Comment dire ? Sans alourdir le moteur de jeu. Au travail. Alors, c'est parti. Les emballages japonais, c'est quand même quelque chose. Hein. Et des fois, ils ont des produits, mais comment t'as trop envie d'essayer ? Et là encore, on les voit pas bien. Hein. On a terminé notre travail. Ok, direction le Yushanling pour se familiariser avec nos pouvoirs. Déjà ? Il faut qu'on découvre comment vous rendre vos apparences normales à tous les deux. C'est du jamais vu pour le boss apparemment. この体が早く治ったりします。そうさ。
入り口は後で位置情報を転送するよ。了解。それじゃあ行ってきます。店長、それは得意点の力のことだろう。心配しなさんな。あんたたちが早く元に戻ればいいだけのこと。Très bien. Direction donc le Yushanling. Bon, c'est sûr que je le prononce extrêmement mal, hein. Mais j'ai pas l'accent qu'il faut et j'ai aucune idée de comment on le prononce. Yosh, この次元の亀裂が入り口だ。次元の亀裂？僕とユサが入った時はこんなのを見かけなかったよ。普通の人間は見えないさ。今のお前さんはもう普通じゃ。Donc une fissure dimensionnelle que les personnes normales ne peuvent pas voir. おい、待て。まだ入るな。人間が生身で次元の亀裂に入るのは実は危ないことなんだぞ。先ほど店長から龍脈石のかけらをもらった。これがあれば少しは身を守れる。今回は特別サービスだよ。次からは自分で探しな。幸い優先庁では龍脈石のかけらはそんなに珍しくないからな。なんか面倒だよ。ま、ユモが引き肉になったり、異次元漂流のリスクを天秤にかけても探したくないなら、できるだけたくさん見つけられるよ。それじゃ出発するぞ。Donc ça, c'est un éclat qui va nous permettre de traverser les fissures dimensionnelles. Sinon, on pourrait se perdre, tout ça, tout ça. Et on peut en trouver dans Ximending et Yushanding. D'accord ? Il nous en faudra à chaque fois, apparemment ? Je sais pas. Ah si, en fait, il nous faut de plus en plus d'éclats si on veut s'enfoncer plus profondément dans les fissures. Très bien. Let's go. Donc il faut un éclat et on en a un, c'est parfait. Allez, Zibardi. Ah, 本当にここに戻ってきちゃった。やっぱり正門町に似てる。そうだな。正門町と表裏一体みたいなもんだからな。厳密には。ただの似ている異次元とも言えるが。異次元か。自分で体験したとはいえ、やっぱり夢みたい。おじさんはここでガードマンみたいなことをしてるの？僕みたいな侵入者を追い出す。まあ似たようなものさ。あと正門町に入り込もうとする奴らを片付けるのも俺の仕事だな。奴らって、おじさんと店長が言ってた災いだっけ？あの見た目だからって油断するんじゃないぞ。あいつらはどんな生物でも襲うからな。それに災いの数が増えると次元の亀裂が発生しやすい。放っておくと正門長が大変なことになるから、やつらに手加減は無用だ。了解。なんだか責任重大だね。あ、それから店長って陶器？ああ、言いたいのは、つまり、その。ただ。それか。そこは少し分け。あ、la boss a une raison bien particulière pour apparaître telle une simple poterie。まあ、そこは後から本人に聞いてみる。On pourra lui demander plus tard。仕事を始めるぞ。Et temps de se mettre au travail。はい。Vraiment, la chevelure du personnage, ça fait extrêmement stylé. Pour le coup, moi, cette histoire de faille là, de fissure, ça me fait penser à Tokyo Xanadu.
le ciblage évidemment of course. Plusieurs enchaînements selon j'appuie sur le comment dire le coup puissant à 1, 2, 3 coups. Bon, en fait faut que j'éclate ça, non? Je sais pas. Ah non, même pas. Fallait que je les fume tous. Et ça sert à quoi en fait? Juste ça augmente les SP? C'est quoi ça? Ah, ça doit être pour recharger les points de vie. C'est pour ça que j'arrive pas à les ramasser. Un mur du chaos. Donc ce sont les bêtes du chaos qui les recrachent et qui se cristallisent. Les attaques de Léo peuvent les briser. D'accord. Je sais même pas comment on l'invoque lui. J'ai essayé tous les boutons mais j'y arrive pas. Ah si, c'est rond en fait. Ok. Très bien. Alors il y avait quoi par là par contre? À part des boîtes. Elles ont respawn ou je les ai pas détruites? Je les avais pas détruites mais par contre il y a rien dedans. Je sais pas s'il y a un intérêt à les dégommer hein. Un cristal du dragon. Ça nous servira plus tard. D'ailleurs, j'ai pas accès à l'autre menu là. Apparemment pas. Il y a aussi sa chevelure là, la jauge elle a l'air totalement vide, je pense qu'il va y avoir un truc spécial avec ça. Je me demande si pendant l'espèce de tutoriel du tout début, c'était pas différent. Yep.
災いの数は安全な範囲だ。ご苦労。Là, faut que je l'invoque davantage l'autre. Hein. Il y a des trucs partout pour recharger la jauge. J'aurais tort de m'en priver. Ah. Quand le SP meter, donc la jauge de SP est à 3, on peut activer une attaque spéciale. Donc c'est pas celle avec la jauge des cheveux. Hein. Si tant est que c'est une jauge. Et il vaut mieux faire des gros combos si on veut récupérer davantage d'orbes. Lucky Strike. Ok. C'est ça. Ah oui, c'est pas mal. C'est quoi, c'est les Langoliers ceux-là? Critters. Moi, je trouve que ça ressemble à des Langoliers. Qu'est-ce qu'il était naze ce film, n'empêche. Alors, Guard Break. D'accord, certains ennemis vont revêtir une espèce d'armure hein, super efficace. Une posture plutôt. Il va falloir faire des esquives parfaites, je pense. Sinon, Léo, si on le summon, ça marche. On va tester. Ah oui, c'est l'espèce d'armure qu'on voit juste en dessous. Bon, faut arriver à esquiver maintenant. Vas-y. Trop tôt. Bon, elle se détruit quand même. Ça marche bien aussi. Ouais, c'était un Stephen King, les Langoliers. Mais niveau adaptation, je suis pas sûr qu'il ait aimé. Hein. Je viens de revoir le clown tueur venu d'ailleurs, le nanar. Non, je me souviens pas de ça. Mais rien que le nom, ça a l'air pourri. Là, je vais pas réussir à faire une esquive parfaite là. Auto. Ou alors c'est qu'il n'y en a pas du tout. Si, il y avait. Voilà. Par contre, la jauge se recharge extrêmement vite. Hein. On peut le faire souvent, ça. Ce qui est pas plus mal vu le nombre d'ennemis. Hein. Même Shining, il n'a pas aimé. Pourtant, je crois que c'est un de ses meilleurs films niveau adaptation. Enfin, c'est pas ses films. Je veux dire, c'est une des meilleures adaptations parmi les films qui ont été adaptés. Peut-être pas selon le livre, mais ce que je veux dire, c'est que le film est quand même culte aujourd'hui. Mais effectivement, peut-être que l'adaptation n'est pas... n'est pas bonne selon le livre, je sais pas.
exigeant, ouais. Il fait toujours un caméo dans les films. C'est Lego, ça. Un peu trop tôt. Là, faut être... Enfin, c'est super timé, en fait. Hein. Millimétré. C'est le mot que je cherchais. Elle est cupide, la bosse. Et c'est le bazar de l'épouvante. Ouais, ça me dit rien, ça. Oula, C. J'aurais dû être plus rapide. Tiens, j'en oublie un de... d'éclat. Encore ? Le travail ? Et le repos, il est où ? Où on venait de se reposer, en fait ? Et je suis pas au courant. Ouais, je pense qu'en fait, le jeu, on... enfin, on va pas vraiment bouger de cette zone. Hein. Tout va se passer ici, et on change de dimension. À mon sens. Je me trompe peut-être complètement. Je sais pas, par contre, combien de temps dure le jeu. Je connais pas du tout la durée de vie. いらっしゃいませ。あって、ユモか。ありよおじさん。おはよう。おいおい、なんだか元気がないぞ。お前さん大丈夫か。だ、ダメかも。昨日ついつい寝るのが遅くなっちゃって。全く、ダメだぞ。若いからって夜更かしするのは。そこの青春真っ盛りの少女よ。 Ah, du matériel pour nous. Donc je viens de chercher un Dusk Diver, c'est 10 heures pour la quête principale, 20 heures si on le fait à 100%. Voilà. À son prix normal, ça fait peut-être un petit peu cher pour un jeu de ce genre, parce qu'il y a quand même un petit peu de dialogue. Hein. Peut-être qu'il y en aura moins après. Mais pour rappel, hein. Il est à 3,50€ pour le moment sur le PlayStation Store et jusqu'au 21 décembre. Profitez-en. つまりこの元気100倍になる秘伝のアイテムは必要ないってことか?店長、どうやって出ていくんですか?もういい。端的に言うと、今のあんたはね、優先長に出入りしているせいで体に負担がかかっている状態なのさ。 そして、その負担を軽くするためにこの店の商品が存在しているのさ。しまった。セールスモードに入ってしまった。おお、なんだかすごそう。さらにさらに、ユモの財布にも。お得な値段の商品さ。従業員からお金取るの? Alors, les objets. On peut en acheter évidemment au boss, qu'on pourra équiper, d'accord, ok. C'est pas juste des consommables, si, c'est des consommables. On a débloqué une quête.
Ok. Des missions secrètes. Ouais, ça sent l'arnaque, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous vend, cette arnaqueuse, là? Ah, on peut vendre tous ces trucs-là. Très bien. Ça, ça coûte cher pour ce que ça rend. Hein. 25% de points de vie, ça rend. C'est quoi ça? C'est la fameuse quête? Ah non, c'est pour refaire certains mondes. Enfin, tous les mondes en fait. Hein. Ah mince, j'aurais dû d'abord faire le... la requête. Ça réduisait le prix, je crois. On va tester. ごまったね。店長、品出ししてきました。ご苦労さん。あ、ついでと言っちゃなんだけど、私の。いいですよ。実はね、手元にちょっとした仕事があるんだけど、見ての通り、この姿じゃ厳しいだろ。リオもあんな小さいなりになってしまったし、今はユモにしか頼めないんだ。なんだか面倒そうな話だったりします？もちろん。 ただ働きはさせないさ。私の仕事を手伝ってくれるなら、ユモには損はさせないよ。何かもらえるんですか？仕事を片付けたら、お店の道具をちょいと安くしてあげるよ。本当ですか？約束ですよ。ああ、もちろんさ。まったく。本来なら無条件で提供するべきじゃないのか？ 何言ってるんだ。何をやるにしても、モチベーションがあった方がはかどるだろう。このコンロンの古だの決め。Allez à la bagarre. Bon, ces boîtes, ça sert définitivement à rien. Oh, il y en a un doré là. Il me le faut celui-là. Il est où? Paquez-vous bien là. Ils sont trop éparpillés. Ah là, c'était pas mal.
Il est où le doré là? Bah il était pas là. Demain je commence FF10? En quel honneur? Rang S! Génial! Je deviens bon. Non non, FF10, je le ferai pas en live parce que je vais le modder comme je l'ai dit et ça tournera pas. C'est un jeu des fouloirs, ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est juste la save. Et ça c'est... caractère. Ok. Concept. C'est sympa ça, mais c'est bloqué pour le moment. Musique. Il y a plein de trucs à débloquer apparemment. Évidemment, on n'a pas vu beaucoup d'ennemis pour le moment. C'est quoi ça? C'est le fameux arbre. Je l'ai vu chez Atto, il tournait bien, mais vous avez peut-être pas le même matos. Je sais pas s'il l'a modé, mais lui, il a peut-être la possibilité de stream et record sur deux PC. Moi, pour le faire, il me faudra un micro différent. Pas un truc en USB, en fait. Si, à mort. Ah non, il faut que j'achète un autre micro et ça me coûterait très cher. Donc je suis obligé de faire avec deux PC, certes, mais... je peux faire qu'en record. Ça tournera jamais stream plus record. Enfin, c'est pas que ça tournera pas, c'est que c'est trop compliqué. Et surtout à setup. Mais bref, mesdames et messieurs, on s'arrête donc là pour la découverte de Dusk Diver. On n'a pas vu grand chose évidemment, puisqu'il reste des trucs à débloquer. Hein. On a deux menus supplémentaires ici. Je présume bah, peut-être des compétences, je ne sais pas trop. Voire des améliorations. Mais plus qu'un JRPG, c'est donc... un beat'em all. J'espère que cette petite découverte vous aura plu. En tous les cas, moi, ça m'a assez intrigué hein, avec cette chevelure absolument stylée du personnage. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que les Japonais savent faire, rendre les personnages absolument stylés. Tout comme l'espèce de mafieux qui a là-bas, Léo. Pour rappel, hein, le jeu est à 3,50€ jusqu'au 21 décembre. Profitez-en, sinon il est vers la trentaine d'euros. Voire plus cher en version physique, je présume. On était sur PC. Pour la version actuelle, et à 3,50€ c'est sur le PS Store. Hein. Bref, si la vidéo vous a plu, si cette découverte vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce dessus, voire abonnez-vous à la chaîne si les vidéos qui sont dessus vous plaisent. Évidemment, je vous laisse comme à l'accoutumée la playlist en haut à droite avec les découvertes de la chaîne, et on se dit à très bientôt pour d'autres titres. À demain pour ceux qui sont sur le chat, si je vous revois. Normalement, on repasse sur Final Fantasy V. Très bonne soirée à toutes et à tous. Ciao. Bye bye.